Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. La police prend le contrôle du village de Dieu après une vaste opération qui avait pour objectif de capturer le puissant chef de gang dénommé Arnel Joseph. 80 suspects ont été arrêtés lors de cette opération. Le Core Group appelle les trois branches du pouvoir ainsi que tous les autres acteurs de la vie nationale à un dialogue constructif. Cette entité, qui regroupe plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, exprime son ferme rejet de tout acte de violence perpétré en marge des manifestations. Le budget 2018-2019 va s'orienter vers le social. C'est la garantie donnée par le ministre de l'Économie et des Finances, Ronald Destembre, alors qu'il présentait le document ce lundi à des secteurs dont le groupe Croissance et le réseau des journalistes économiques haïtiens pour le développement durable. Le calme était revenu ce matin dans le bidonville du village de Dieu, au sud de Port-au-Prince, 24 heures après l'importante opération de la police contre le gang d'Arnel Joseph. Des enfants se rendaient dans leur établissement scolaire et des marchandes avaient installé leur négoce sur le trottoir. La majorité des résidents se sont gardés tout de même de commenter la situation dans ce bidonville, contrôlé jusqu'à samedi par un gang armé. La résidence du chef de gang était sous le contrôle des policiers ce matin. Certains résidents ont tout de même salué l'intervention des forces de l'ordre. Ce lundi matin, les autorités policières n'avaient toujours pas fourni un bilan de l'opération. Toutefois, le coordonnateur du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, Pierre Espérance, a indiqué que les membres du gang avaient été informés de l'arrivée des policiers. Il soutient que le chef et les membres du gang ont pris la fuite et n'ont opposé aucune résistance aux policiers. Monsieur Espérance a déploré que les forces de l'ordre n'avaient pas utilisé les informations du service de renseignement afin de mieux planifier l'opération. Les autorités policières haïtiennes offrent une récompense de 2 millions de gourdes aux personnes qui permettraient la capture d'Arnel. Responsable de nombreuses exactions dans la capitale, Arnel est un évadé du pénitencier national. Plusieurs unités de la police avaient été impliquées dans l'opération interrompue en raison d'une averse. 80 suspects ont été arrêtés, plus d'une centaine de maisons perquisitionnées, des matériels confisqués. C'est le bilan de l'opération visant à capturer le chef de gang Arnel Joseph. Selon le porte-parole de la PNH, aucune arme à feu n'a été retrouvée lors de cette opération. Il estime que cette vaste opération est un pas important dans la lutte contre l'insécurité qui règne au bicentenaire. C'est que la police l'est déterminée. Quel que soit moment, quel que soit endroit, tout le monde qui amuse, a troublé la paix publique, qui a armé des groupes pour empêcher la population de vaquer à l'activité, ça doit prendre temps, mais joie à venir, la police a procédé à l'arrestation de toute façon. Et m'a précisé pour Arnel, qui est un fugitif, qui c'est un monde la police t'a arrêté déjà pour mauvais actes qu'il te commet. Pour une raison ou l'autre, pour une raison peut-être nous tous nous connaissons toujours dit al dehors. La police déterminée l'a réarrêté monsieur. L'a voyé le pas devant autorité compétente et il a prend décision que ça lui-même lui nécessité. Mais parallèlement, pendant la police a cherché, traqué bandi ça yo, gon enquête parallèle que la police a mené. C'est la provenance des armes que détiennent ces bandits. Oui, il est important pour la société à connaître tout, côté des armes à outils. Il est important pour la société à connaître source d'approvisionnement, M. Zayo. La police a travaillé sur ça, donc il est important que la police connaisse la provenance côté des armes à outils et comment nous avons fait connaître, et qui source d'approvisionnement, yo, parce que quand c'est cartouche qui est tiré, donc il y a un côté qui est approvisionné et ça est très important. Il est important tout pour nous, pour la société, pour te coller avec la police. Bandi sa yo, sous les jodis, il n'y a pas arriver sur nous. Inévitablement, la police arrive sur nous.
forcément faut nous arriver parce que la population a besoin de vaquer à l'activité. Et faut la police là, là, de concert, bien sûr, avec l'autre acteur qui est dans la chaîne, dans la coproduction de sécurité dans le pays, pour joindre, pour être capable de porter solution que la population attend. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, nous demandons tout à port population. Parce que dans aucun autre pays au monde, et même les forces de police les mieux équipées et les mieux modernes, donc il n'y a pas qu'à travailler sans population pour apporter support au bayo. Et n'apporter support au bayo, n'apporter support au pardon, nous habituer à arrêter, n'apporter, sauf que nous arrêter encore une force de police moderne, une force de police spécialisée, côté nous pas besoin, sans nous pas joindre un plan stratégique qui va permettre nous arriver, mettre maintenant collecte moun nous besoin sans nous pas faire des dégâts, sans nous pas permettre que des innocents qui pas gagné pour avec phénomène là al payer bagaille que pas de payer, mais la police là n'a pas travail. Oui, la police mettait 2 millions gouttes à la disposition quiconque qui va permettre lui repérer zone côté le calme mettait main sous anel qu'on y a là que m'a parlé avec nous là. Le président du Sénat de la République appelle les autorités policières à traquer les bandits et les déférer par devant la justice. L'élu du Sud-Est a invité les citoyens à la prudence. Parallèlement, d'autres sénateurs exigent du gouvernement des explications sur la provenance des armes automatiques dont disposent ces jeunes. Le pays est administré par un ensemble de monde en tant que pouvoir. Que ce soit le président, premier ministre, ministre, secrétaire d'État et autres, mais il y a aussi, à un niveau, au niveau communal, il y a aussi les maires, au niveau des sections communales, aussi les casernes. Au niveau du pouvoir législatif, il y a des sénateurs, il y a des députés. Au niveau du pouvoir judiciaire, il y a le Conseil supérieur de la police, du pouvoir judiciaire, la Cour de cassation et bien sûr les juges d'instruction, juge de siège, commissaire du gouvernement, groupier, écoute, etc. Le pays n'a pas qu'un autre chef qui a revendiqué des blocs ou bien des quartiers. La police se doit de sévir avec la plus grande rigueur. On peut toujours demander à la fois les sénateurs, les députés, les journalistes, tout haïtien en général, de toute prudence, d'exercer la plus grande prudence, d'éviter de fréquenter des zones en ébullition, je dirais, politique, dans le moment où on va supposer trouver dans la zone ça. Faut moun, ni moi-même qui sénateur, député, sénateur, moun qui directeur général, moun qui ministre, moun qui président de la République, faut qu'il y ait courage. Faut que chef la police là toujours ait courage. Faut qu'il y ait la police bon traitement, politique sociale et fermeté face à moun, ni ça qui est cravate, qui est capable de acheter des armes n'importe qui côté, ou par contre, qui joue un problème, ni ça qui est cravate, qui a bloqué tout partout, qui a défié la police, il a demandé pour lui mettre l'ordre dans le pays, parce que c'est travail, et il faut qu'il y ait moyen pour ça, il faut qu'il joue un traitement pour ça. Mais comment comprendre le phénomène là? Comment comprendre le phénomène? Le phénomène, il est nourri par l'acheter. L'acheter et incapacité, il y a un paquet de gouvernement qui passe dans le pays qui croit, les envoyer 250 000 gouttes par les bandits, ils envoyaient 150 par ça, ils envoyaient 300 par ça, et puis le problème, c'est ça qui est politique sociale. Non. Mais les armes, ça, ce n'est pas moi et ma voix qui fait. Ce n'est pas revolver bois. Ce n'est pas revolver de l'eau plastique. C'est les armes qui coûtent cher. Et ces armes, munitions coûtent cher. Donc, premièrement, il faut que les gens qui sont président de la République, là, Jovenel Moïse, les gens qui sont premier ministre, là, Jean-Henri Seyan, les gens qui sont ministres, et nous-mêmes qui sommes sénateurs, nous gagnons pour nous demander, premier ministre là, et la police, comment les armes font pour piller comme ça dans le pays d'Haïti. L'ancien sénateur de la Grand'Anse, Andris Richer, déplore les appels à la violence lancés par certains individus dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Monsieur Richer a fait remarquer que des groupes utilisent ce dossier pour créer la division et la haine au sein de la société haïtienne. Selon l'ex-conseiller du président, il revient à la justice de faire la lumière sur l'utilisation des fonds du programme vénézuélien.
l'entendez des discours violents qui sortent dans la bouche d'une série de monde. Maintenant, je dis à Olié que le considérer, par exemple, cette date nationale comme des jours de rassemblement, des jours de réflexion, des jours de poser des interrogations, pourquoi nous sommes encore là. Mais plutôt, c'est des discours de haine, discours de violence, c'est ça qui a sauté. Dans le cas de Petro-Caribé, est-ce qu'on voit que le discours qui marche avec, c'est un discours qui va effectivement vers la reconquête, si fraude il y en a eu, vers la reconquête de cet argent? Non. On cible des individus que de toute façon, n'examen pas plus, et de toute façon, je n'ai pas assez de cran pour mal marcher prendre. Donc, si vous avez un fait marcher prendre, je fait marcher prendre. Ça veut dire que, en fait, ce n'est pas le pays, effectivement, qui est sous la touche. Ce n'est pas le pays, vraiment, que, comme si Mnadou, que les gens essayent de défendre, mais son manifestation de haine. Contre X. C'est ça lié. Or, oui, non, mais est-ce que... je dis à la, lors d'une situation comme ça, si effectivement, il y a eu ce fonds qui a été dilapidé, donc c'est un travail scientifique de recherche, parce que les faits sont là, puisque les faits sont là. Parce que, ou pas capable de débloquer un cob pour que normalement trace n'y pas arrêté. Donc normalement, s'il y a eu des actions frauduleuses, aujourd'hui, c'est la machine de la justice qu'il faut mettre en branle pour effectivement trouver les coupables. Mais il ne faut pas précipiter les choses, créer une sorte de cabriolet dans le pays hein, que personne ne va contrôler rien. Si vous demandez des explications, il faut rester pour qu'on vous donne ces explications. On a bien aimé que la vérité soit faite sur l'existence ou bien le dégringolage ou bien la dilapidation de fonds. Ça, effectivement, s'il y a eu toutes ces choses-là, on a bien aimé où est sa fête, qui est un jugement. Les membres du Core Group saluent l'engagement de la population, en particulier la jeunesse et la société civile haïtienne, envers les valeurs démocratiques. Cet engagement s'est notamment traduit par la mobilisation du 17 octobre dernier pour demander que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Le Core Group dit avoir pris note de la volonté exprimée par les autorités haïtiennes d'agir en ce sens. Le groupe salue le professionnalisme dont a fait preuve la police nationale d'Haïti dans son ensemble en cette occasion pour garantir la liberté d'expression tout en préservant l'ordre public. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, les ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France, de l'Union européenne et représentants spéciaux d'organisation des États américains insistent sur la nécessité pour que les manifestations soient pacifiques. Alors que de nouvelles manifestations sont annoncées, le Core Group exprime son ferme rejet de tout acte de violence perpétré en marge des manifestations, précise le communiqué publié plus de deux semaines après l'événement. De plus, les membres du groupe rappellent la légitimité démocratique du gouvernement d'Haïti. Dans une démocratie, le changement doit se faire en passant par les urnes et non par la violence, ajoute le communiqué. Par ailleurs, le Core Group appelle les trois branches du pouvoir ainsi que tous les autres acteurs de la vie nationale à un dialogue inclusif afin, entre autres, de renforcer les institutions nationales en charge de la reddition des comptes, d'adopter un budget pour l'année fiscale 2018-2019 et d'élaborer un calendrier électoral qui permet la tenue d'élections crédibles, libres et transparentes en octobre 2019.
Le gouvernement entend orienter le budget 2018-2019 vers le social en guise de réponse aux événements des 6 et 7 juillet dernier. C'est ce que confie le ministre de l'Économie et des Finances. Certains ministères ont vu leur enveloppe augmenter et l'exécutif mise gros sur la réduction du train de vie de l'État. Toutefois, l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice fiscal en cours met en lumière certaines contraintes, notamment le gap sur les produits pétroliers. Le gouvernement réfléchit sur une stratégie afin d'ajuster les prix de l'essence à la pompe sans pénaliser les petites bourses. Le ministre Ronald Décembre a présenté le projet de budget ce lundi à des secteurs dont le groupe Croissance et le réseau des journalistes économiques haïtiens pour le développement durable. Budget qui fait là, qui a fait là, qui est en cours là, qui a fini, finalisé sous peu, son budget qui axé surtout sur le social. Le social. Ça veut dire que, l'aide de social, ça veut dire que à dominante sociale. Et ça va veut dire que l'autre secteur, pas joué au lieu, non, par exemple, si on prend le cas du ministère de l'Agriculture, du ministère des DPTC, c'est deux secteurs qui ont supporté la croissance à taux de 2,5%, mais on a rendu compte que l'autre secteur, ça, même si on a le social, mais il a supporté la croissance en tout, puisque l'action est portée sur des infrastructures sociales. Là, on prend par exemple construction d'écoles, construction d'hôpitaux, construction de dispensaires, construction de bacs, etc., tout ça, de logements sociaux. Donc tout ça, c'est des constructions qui allaient tout, non, qui viennent contribuer à taux de croissance, ça n'a pas l'air là. Nous, dans un contexte particulier, parce que nous, on nous compte que un ensemble de contraintes, nous obligés de tenir compte de nous, de la finaliser le budget. Par exemple, nous, on nous compte que gagné 20 milliards de gouttes dans qui était concerné les ressources pétrolières, dans le budget 18-19 qui était déposé en juin. 20 milliards de gouttes, ça, nous pas fait, nous pas gagné encore, puisque et me 16 et 17 juillet fait que le budget n'a pas qu'à tenir, encore, pas qu'à quimper prévision ça encore à hauteur de 20 milliards. Cela veut dire que le budget a diminué de 20 milliards de gouttes. Mais le budget du qui était déposé a diminué de 20 milliards de gouttes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un ensemble de dépenses qui étaient prévues, qui pouvaient être faites à partir de budget, à partir de ressources pétrolières, ça, qui n'ont pas fait encore. Et qui ça nous fait pour essayer de diminuer le gap là? Eh bien, nous chita avec l'administration fiscale, nous, DGI Douane, pour nous côté que nous avons au moins participé à hauteur de 5 milliards en question de réduire gap là. De réduire gap là, faire que au moins il passe à 15 milliards. Donc 15 milliards, ça, c'est le niveau de gap qui est dans le budget 18-19 qui pourra le déposer là. Et que chaque institution dans l'État doit faire sacrifice pour supporter. De supporter coupe qu'a fait dans le budget 18-19 qui était déposé en juin, et de supporter coupe ça. Et coupe ça, n'a pas dit que coupe ça surtout au niveau de biens et services. Question tout de adresser des problèmes, des questions liées à ça, la réduction du train de vie. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger annonce le lancement d'un nouveau programme à l'intention de la diaspora, baptisé le MAV à l'écoute. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des perspectives du ministère pour accompagner davantage les Haïtiens vivant à l'extérieur et qui souhaitent investir dans le pays. C'est ce qu'explique la ministre Marnata Irène Ternier. Le lancement de MAV à l'écoute se fera le 8 novembre prochain. Nous disons que MAV à l'écoute, là, nous à l'écoute, là, il y a trois aspects là-dedans. Nous avons un premier aspect qui est la doléance globale que la diaspora a gagné, toutes sortes de doléances. Je prends un exemple de doléance que chaque jour que je me je dis que $50, là, qui ça que nous faisons avec lui. Donc, nous allons assurer nous, que nous mettons rapport ça sur le site web. Là. Deuxième aspect, hein, là, il y a investissement. Investissement, il y a le choix. Il y a un lien qui est sur le site CFIA, si vous voulez faire ça en anglais, One Stop Shopping. Vous voulez que c'est CFI qui accompagne. Mais si vous voulez prendre information sur MAV, vous avez gagné toute étape de. C'est-à-dire que si vous voulez investir, qui sauve les investir, qui gens pour faire. Et nous allons essayer de mettre même coup. C'est-à-dire que si vous voulez patente
pour vendre plume, nous allons essayer pour nous, ouais, avec des GI, pour dire nous exactement, pas tant ça, combien de corps vous supposez coûter. Troisième aspect ajustement, c'est l'aspect insécurité foncière. Et qui c'est un gros problème pour la diaspora. Et président de la République, là, son excellent Jovenel Moïse, il insiste sur ça. Il n'est pas normal pour les gens acheter tel, pour les gens décider qu'ils vont prendre. N'a dit, lorsqu'ils achètent terrain, relais, ma valeur écoute. Allez sur le site là pour nous monter un dossier pour vous. Voyez petite propriété en bas nous. N'a monter un dossier pour que jour gain problème. Nous pas la justice. Nous pas qu'à déterminer pour nous dire oui c'est un vrai propriétaire. Mais cependant, étant donné où tu es informé, nous n'a servi de témoin. Encore une fois, nous mettez des outils ça disponible pour diaspora. Outils que aurait les ma valeur écoute là. N'a invité diaspora utiliser. La 15e édition du Festival de théâtre des Quatre Chemins se déroulera du 19 novembre au 1er décembre autour du thème Pays, poète. Des spectacles de rue seront organisés dans le cadre de ce festival. Les organisateurs profitent également de cette occasion pour récompenser certaines personnalités qui évoluent dans ce domaine. En attendant, nous avons concerné 2 500 000 Port-au-Princiens. Nous avons arrivé là. On va nous penser délocaliser et espérer tout d'ailleurs pour un gros festival 4 chemins qui t'a fait Okaï, qui t'a fait Jérémy, qui t'a fait Tigouave, qui t'a fait Léogane, enfin, tout, dans tout le pays. Parce que le moment festival, c'est un moment de joie, c'est vraiment un moment festif pour oublier tous les problèmes. Et par contre, on a profité de soulever les problèmes. Et ça fait un 4 festival 4 chemins, on a toujours joué. A toujours soulevé question. Donc thème pour en mini colloque pour nous poser des questions. Ça veut dire son programmation pour les questions dans le festival là. Nous pas demander à quel artiste fait spectacle qui répond à thème non. Ça t'a trop dictatorial pour moi. Tout spectacle c'est des spectacles nous choisissons en termes de qualité esthétique. Et puis un mini colloque qui pose en question. Qui gagne toujours près d'une dizaine de conférences là-dedans. C'est là la question à poser. Et puis, quelque part, l'on vient gagner en création, ou à gagner l'autre réflexion pour faire en fait. Spectacle n'est pas fait sous thème non, nécessairement pour justement nous faire un festival beaucoup plus large que ça en fait. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.